La plateforme YouTube a-t-elle un cœur? Un cœur qui sait aimer? Nous, personnellement, lorsque nous mettons une vidéo en ligne, on adore ce qu'on a fait en général, c'est précieux, on se dit « waouh, on va se faire apprécier et aimer par beaucoup de gens ». Et si ça ne marche pas très bien, bah on continue à réagir en termes affectifs, c'est-à-dire que l'on va de déception en frustration. Oh. YouTube, au contraire, n'a aucun sentiment, aucune émotion. C'est uniquement l'algorithme. On change le nom tout de suite, on dit calculateur, calcul, comme ça on comprend mieux ce que ça veut dire. YouTube n'aime ni ne déteste personne. Il défend uniquement son intérêt. Son intérêt, c'est de mettre en avant des vidéos qui pourront être d'excellents supports publicitaires. YouTube vit principalement des publicités. C'est la raison pour laquelle son intérêt, c'est de chercher des vidéos qui seront donc d'excellents supports pour les publicités. Point final. Donc, tout ceci est une affaire de gros sous dont nous espérons, nous, peut-être, en avoir une petite partie, une petite part. Alors, explorons maintenant le fonctionnement de YouTube par rapport à vos vidéos. Donc, on va voir ce fonctionnement en trois étapes. Vous postez votre vidéo sur YouTube. À ce moment-là, tout est merveilleux. YouTube vous fait entièrement confiance et pour savoir la qualité de votre vidéo, il va effectuer un test. Ce test, eh bien, il va le faire en vous confrontant à d'autres vidéos. Des vidéos, forcément, qui sont plus anciennes, qui ont plus de vues, mais vous n'avez pas de vues pour l'instant. Donc voilà, il va falloir résister à ce premier écueil. Le premier écueil, en fait, est quelque chose d'entièrement statistique. Vous savez peut-être que le visionnage moyen d'une vidéo sur YouTube est de 2 minutes. 2 minutes seulement. Si vous avez fait une vidéo de 15 minutes, vous imaginez donc que le spectateur peut très bien ne pas passer plus de 2 minutes sur votre vidéo. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est la raison pour laquelle les premières secondes, les premières minutes, les 2 premières minutes d'une vidéo sont capitales. Alors le test que YouTube met en place, c'est-à-dire vous comparer à d'autres vidéos, voir si vous résistez face à d'autres vidéos qui, bien sûr, sont plus fortes que les vôtres, hein, ne faites pas d'illusions, hein. Vous devez égaler, ou du moins approcher, les performances de ces vidéos qui sont de bonnes vieilles vidéos avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues. Et vous devez, vous montrer pratiquement à la hauteur. À la hauteur selon 2 critères. Premièrement, le taux de clic. Bon, ça, c'est pas vraiment un problème, on verra. Deuxièmement, et ça c'est un énorme problème, le watch time, c'est-à-dire le temps de visionnage moyen sur votre vidéo. Le temps que passent en moyenne les spectateurs sur votre vidéo. Ceci est capital pour l'avenir de votre vidéo. Et on va voir en détail comment cela peut se passer. Donc, avec une deuxième étape. Alors, cette première étape,
Donc, au cours de laquelle YouTube vous met en concurrence et voir comment vous résistez face à d'autres vidéos, cette première étape, faites pas d'illusions, hein, le calculateur ou ce qu'on appelle l'algorithme de YouTube est rapide, certes extrêmement rapide, mais aussi extrêmement pressé. Donc, cette confrontation ne va durer que 24 ou 48 heures. Donc, vous avez vos chances pendant 24 ou 48 heures. Imaginons que vous avez passé avec succès cette première étape. Avec la confrontation à d'autres vidéos, bravo, 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 formidable, formidable. À ce moment-là, si vous avez passé cette première étape avec succès, YouTube vous fait un formidable cadeau. C'est-à-dire qu'il va prendre votre vidéo et la suggérer à des spectateurs qui sont intéressés, plus ou moins, ou pas, on ne sait pas trop, hein, mais en principe, qui seront intéressés par votre contenu. Donc, à ce moment-là, il va vous juger en vous confrontant, et là, de façon à grande échelle, donc au public, cette fois, il vous confronte au public directement, en suggérant vos vidéos, peut-être 1000 fois, c'est tout à fait courant. 10 000 fois, c'est tout à fait courant. Plusieurs dizaines de milliers de fois. Et à ce moment-là, vous allez être jugé de façon impitoyable sur encore 2 critères, le taux de clic et le watch time. Bon, le taux de clic, faut pas s'en faire une montagne. C'est quelque chose de relativement facile à obtenir. Si vous avez un taux de clic de 10%, c'est un bon taux de clic. Ok, c'est pas difficile. On reviendra peut-être à la fin des vidéos sur ces questions-là. Imaginons que vous avez 1000 suggestions de vidéos offertes par YouTube et que vous avez un taux de clic de 10%. Cela veut dire que vous allez avoir 10% des 1000 suggestions, c'est-à-dire 100 vues. Si YouTube vous suggère 10 000 fois, vous allez avoir 10% de 10 000, c'est-à-dire 1000 vues. Vous vous rendez compte comment ça peut se développer à une vitesse vertigineuse. Ceci, il ne faut pas vous faire d'illusions non plus. Ça n'a pas duré éternellement. Hein. Disons que YouTube va faire cette expérience, il va vous donner cette chance donc, de vous suggérer en vidéo. Sur le côté, par exemple, suggérer à des spectateurs votre vidéo, mais ça va durer, disons, maximum 10, 12, 15 jours. Et là, vous devez absolument faire vos preuves. C'est donc l'épreuve finale. Pour résumer, donc, avantages et inconvénients de la suggestion de votre vidéo par YouTube. Vous êtes suggéré des milliers ou des dizaines de milliers de fois. Donc, vous rencontrez beaucoup plus de gens. Mais est-ce que ces gens seront intéressés par votre contenu, votre thématique? Ce n'est pas sûr. Puisqu'ils sont plus nombreux, vous allez rencontrer davantage de gens qui ne sont pas intéressés, qui peut-être seront un petit peu intéressés si vous avez une bonne vignette, mais qui ne resteront pas longtemps. Donc, vous allez avoir une tendance ici qui va être à la baisse du taux de clic et à la baisse du watch time, c'est-à-dire à la baisse du temps moyen que les gens passent sur votre vidéo. Examinons maintenant la psychologie du spectateur de YouTube. Ceci est absolument subjectif, hein, ce que je vais avancer, mais j'ai quand même une opinion. C'est-à-dire que moi, je pense que les spectateurs de YouTube sont à la fois moutonnier et à la fois paresseux. Mais c'est tout à fait normal. Nous le sommes tous, effectivement. Qu'est-ce que je veux dire par moutonnier ? Moutonnier, je veux dire que a priori, lorsque nous allons sur YouTube, nous allons plutôt visionner des vidéos qui ont beaucoup de vues, des chaînes importantes, qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. C'est pour ça que tout le monde a tendance à aller dans la même direction, comme des moutons en troupeau, vers les grosses chaînes, les vidéos avec beaucoup d'abonnés et donc de vues. Voilà.
Les petites chiennes avec peu de vue n'attirent personne, il ne faut pas se faire d'illusions. Maintenant, paresseux. Oh, faisons une toute petite expérience. Allez, c'est parti. Combien de temps pensez-vous que cette vidéo a duré? 1 minute? 1 minute 30? 30 secondes? De toute façon, ça a paru long. Ça a paru long, mais ça dure que 20 secondes. Vous imaginez? Vous imaginez, vous avez une vidéo de 10, 15, 12, 20 minutes à la limite. Quel effort faut-il pour que les spectateurs restent accrochés à votre vidéo? Il faut faire d'énormes efforts. C'est pour ça qu'on dit toujours que « the content is king ». The content is king. Ça, c'est votre thématique, la manière dont vous l'abordez, la manière dont vous concevez votre vidéo, dont vous montez, dont vous tournez votre vidéo. Ça s'appelle le format. Il faut donc être à la fois champion du format pour attirer l'attention, champion du contenu pour intéresser les gens. Donc, il faut être doublement champion. Moi, ma conclusion, c'est que, de toute façon, sur YouTube, il n'y a pas le choix. Il faut être génial. Hein? Ce que je n'ai jamais été. Mes vidéos font très peu de vues. La meilleure fait 500 vues. Je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps. Remarquez, ça fait, je ne sais pas, 6 mois. Donc voilà, sur une niche particulière qui est la peinture. Bon, j'ai face à moi des mastodontes. Hein. Donc voilà. Alors, content is king. Et le format est extrêmement important. Le format, c'est ce qui vous permet de retenir l'attention, tac, 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 parce que, bon, les gens étant paresseux, si vous, de temps en temps, réveillez-vous, par une petite astuce, etc., et bien, ils vont s'endormir, et paf, ils vont quitter votre vidéo. YouTube vous juge à nouveau après cette phase de suggestion. Votre taux de clic a eu toutes les chances de chuter en vitesse. Votre watch time, pareil. Qu'est-ce que YouTube va se dire au bout d'une semaine, 10 jours au maximum, 12 jours, ça dépend. Il va se dire, l'algorithme, ce n'est qu'un calculateur. L'algorithme va se dire, oh, c'est pas du tout intéressant, les gens ne sont pas intéressés, au revoir, on vous laisse tomber. Donc c'est fini les suggestions, c'est fini, vous retombez dans l'anonymat le plus total, avec un peu de suggestions, parce qu'ils ont pitié de vous peut-être. Mais j'ai dit que YouTube n'avait pas de sentiment, donc il n'y a pas de pitié. Mais bon, ils se disent, bon, putain, finalement, il n'est peut-être pas si mauvais que ça, donc on va l'encourager un peu, mais pas autant que ça. Attention, il ne faut pas exagérer, on ne va pas lui faire trop de cadeaux. On ne va pas lui faire trop de cadeaux jusqu'au jour où il va sortir la vidéo absolument géniale qu'on attend. Bon, voilà. Moi, je l'attends toujours, ma vidéo géniale, personnellement. Si vous avez démontré au cours donc de cette mise en avant par YouTube que votre vidéo est de bonne qualité, qu'elle sait retenir l'attention, qu'elle a un taux de clic important, alors là, tout vous est permis. YouTube va vous propulser dans la stratosphère donc de YouTube. Et là, c'est gagné. Ouais, peut-être le business dont vous avez toujours rêvé, il va venir. Et là, c'est tellement agréable. Si vous avez donc passé cette étape avec succès, bravo. Mais si au contraire, donc YouTube s'aperçoit que vous ne tenez pas vis-à-vis des autres vidéos, que vous ne tenez pas vis-à-vis donc du regard, du watch time du spectateur, à ce moment-là, au bout d'une dizaine de jours, c'est fini. YouTube
vous abandonne complètement et votre vidéo va rejoindre les cohortes des vidéos qui font très peu de vues, disons une cinquantaine, une soixantaine, même une centaine. Et à ce moment-là, ça n'intéresse plus du tout YouTube. Il vous laisse tomber, votre vidéo est morte. Comment faire en sorte de gagner donc à toutes les étapes ? Alors bon, je vais résumer en deux mots que tout le monde connaît, évidemment. De toute façon, on pourrait dire que d'abord, il faut être génial. Hein, ça, il n'y a aucun problème pour les génies, il n'y a jamais de problème. Donc les amis, soyez géniaux, n'hésitez pas. Mais en plus sérieux, disons que on rappelle les choses importantes. The content is king. Ce que vous mettez dans vos vidéos, votre contenu, votre thématique doit être parfaitement traité et être attirante. Ensuite, votre format de vidéo, c'est-à-dire la manière dont vous concevez la vidéo, dont vous la tournez, dont vous la montez, etc., c'est ce qu'on appelle le format de vidéo. Le concept que vous avez donc de la vidéo, c'est extrêmement important, car finalement, on peut dire qu'à la limite, quel que soit votre contenu, si vous avez une vidéo très bien fichue, qui sait retenir l'attention, vous aurez un excellent watch time. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est le plus important. Donc, en résumé, soyez géniaux. D'accord, ça, je vous le conseille. Abonnez-vous donc, abonnez-vous à ma chaîne. Peut-être qu'un jour, vous découvrirez une vidéo géniale. Personne n'est à l'abri hein, du génie, finalement. Donc, en attendant, travaillez votre thématique. Choisissez votre domaine. Par exemple, on peut conseiller, certains conseils, d'aller vers des thématiques très larges, donc qui sont déjà beaucoup traitées. Mais comme c'est très 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 large, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, vous avez, si vous avez la possibilité de faire une vidéo intéressante qui accroche le spectateur, vous avez une chance de percer dans ces thématiques larges. D'autres disent, non, petite niche. Oui, mais enfin, bon, petite niche, c'est très concurrentiel aussi. Hein. Donc, il y a des gens qui sont là depuis des années. Et même si vous essayez de faire des contenus qui sont à leur hauteur, ou même parfois meilleurs, eh bien, impossible de percer là-dedans. Les anciens sont accrochés et ils ne lâchent rien. Vignette intéressante, vignette attirante pour le taux de clic, et contenu et thématique très bien traité et intéressante. Voilà. Donc le conseil, je reviens sur mon conseil principal qui est « Mes amis, soyez géniaux, vous vous abonnez et à la prochaine, ciao, ciao, la prochaine vidéo sera peut-être géniale, ne la ratez pas !» Ciao, ciao.